Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 2 sur Phasmophobia. Et donc, écoutez, j'ai vu vos commentaires sur la dernière vidéo et j'ai vu que ça vous avait plu. Donc, du coup, eh bien, je continue à faire ma petite série sur le jeu Phasmophobia. Donc, écoutez, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo, à part que j'ai perdu un peu de stuff, mais sinon, à part ça, rien de nouveau. Mon level a un petit peu augmenté du coup par rapport à la dernière vidéo, mais sinon, rien de plus. Juste en perdu un peu de stuff, mais rien de très grave. Donc dans le dernier épisode, je crois qu'on avait fait ça sur la Tanglewood Street House. Donc là, on va la faire sur la Willow Street House, en professionnel évidemment. Hop, on a mis tout de stuff. J'espère que cette game va bien se passer. On va espérer, hein. Voilà. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Donc par rapport au dernier épisode, je n'ai pas pu régler mon problème de. Enfin mon. Le fait que mon clavier et mes clics s'entendent trop. Donc en attendant, vous allez encore les avoir pour cet épisode-là. Ah, donc là, monsieur parle, on est content. Voilà, on attend juste qu'il finisse de parler. Merci. Donc on a affaire à Christopher Brown. Ça, on s'en fiche un peu, mais c'est juste pour savoir. On ne sait pas s'il répond en personne seule ou au groupe, donc il faut le faire immerger dans du sel qui éteint une bougie et nettoyer la zone du fantôme avec un bâton d'encens. Très bien. Des objectifs assez faciles pour le coup. Nous allons prendre le thermomètre et évidemment le MF. Nous allons aller dehors et allumer ça pour qu'il se mette à jour quand nous allons entrer dans la pièce. Enfin, du moins quand ils vont mettre le courant. Ok, c'est parti. On va voir ce qu'on va voir. Alors, j'ai cru que j'avais pas pris les clés. Mais si, je les ai prises. Ok. Alors, si vous voyez le truc Steam, je suis désolé. Alors, déjà, nous n'avons pas le tarot, nous n'avons pas la boîte à musique. Ok, très bien. Alors, voyons voir où est le courant. Je n'ai pas regardé. Eh bien, il est juste ici. Hop, c'est parti. Alors. Maintenant que le courant est allumé, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Alors évidemment le thermo n'a pas encore été update pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Nous n'avons pas de table de Ouija pour le moment. Ok, ça y est, le thermomètre ça y vient de s'actualiser. Donc ah, il est ici, je pense. Ok, nous n'avons pas de poupée vaudou. Je pense qu'il est ici pour l'instant, je vais parier sur ici, parce que regardez, quand on va dans le couloir, la température monte de 13, de 13 à 13,5. Donc pour l'instant, on va dire qu'il est dans cette chambre-là. Ah, non. Mais écoutez, je ne sais pas. J'ai plutôt froid ici, mais rien de plus. On va regarder en bas, voir ce qu'on a en bas. Alors ça c'est assez marrant, du coup on devrait voilà, avoir le cercle d'invocation, j'allais dire. Ah. Faut avoir entendu quelque chose. Non. Je crois avoir entendu quelque chose. Mais c'était assez loin. Quelque chose qui a bougé en haut. Ok, donc nous avons donc le cercle d'invocation, très bien. C'est bien ici, regardez, la chaussure elle a été bougée ici. Ok, température glaciale, on l'a vu là sur le côté. Tac, température glaciale, elle est là. Voilà, moins 1, c'est bon. On est bien, on est parfait, c'est donc bien ici. On va sortir le MF, on va le mettre comme ça. Ok, donc on est bon, on a la salle du fantôme. Déjà, ça c'est un bon truc. Ça c'est une bonne chose. Donc on a laissé le MF là-bas pour voir s'il fait les petites interactions qui vont bien. Tac, donc là pour l'instant on n'a pas d'activité et on est toujours à 83%. Pour l'instant c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va prendre une caméra, un dots. La caméra, on va le poser sur le trépied.
Est-ce que ça nous dit quelque chose? Pour l'instant, VMF2, pour l'instant. Très rapide, le VMF2 d'ailleurs. Il nous demande de faire du sel, alors c'est peut-être un spectre. Peut-être. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc il est dans cette chambre-là. Alors il peut se balader, il faut voir. Ça dépend du fantôme qu'on aura. Ok, on va juste mettre un dot pour être sûr et on va faire le sel aussi pendant qu'on y est. On va aller faire le sel tranquillement. On va aller faire ça d'abord. On va mettre la caméra plutôt comme ça, qui regarde vers le... qui regarde comme ça, pour avoir un ensemble de la salle. Et on va mettre le coupe-dot à peu près au milieu de la salle. Voilà. Donc là, on va appliquer du coup un petit tips que je vous donne. Alors sachez que les tips que je vous donne, c'est soit des gens qui me les ont donnés via d'autres streams ou quoi, via des, ou alors c'est directement sur les Discord en lien avec le jeu, où certaines personnes donnent des tips comme ça, si vous voulez. Alors déjà, on a vu une orbe, vous voyez. On a vu une orbe là sur le côté, vous allez la voir. Regardez là, ici, là, juste ici. Donc là, on a bien une orbe. Hop, hop, une orbe ici. Alors, faut faire attention, c'est peut-être un mimique. Ce qui est possible. Est-ce que le mimique a des températures glaciales? Oui. Donc, ça peut être un mimique. Donc, alors là, les dots, il faut compter. Il faut compter à peu près 40 secondes avant l'apparition d'un dot. Donc, écoutez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, donc normalement, nous n'aurons pas de dots. Mais on a vu que la porte avait bougé. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les empreintes. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher les orbes pour avoir le mimique débloqué. Parce que je pense qu'on a affaire à un mimique. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que nous avons affaire à un mimique. Je vais juste prendre un appareil photo, c'est très bien. Je vais juste aller prendre en photo le mimique, c'est quoi d'autre? Entité, mimique. Ce sera une spirit box. Ok, donc si nous avons des empreintes, ce sera la prochaine étape de notre partie. Tac, on va juste reprendre l'appareil photo. Alors, est-ce qu'on a des empreintes? Avons-nous des empreintes sur la porte? Alors, pas en extra. Pas d'empreinte. Ne voit absolument pas d'empreinte. Bon, va-t-il l'en laisser? Non, je ne vois pas d'empreinte. Après, est-ce que les empreintes sont rares en fonction des mimiques? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est peut-être possible que ce ne soit pas un mimique, hein, pour le coup. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'appareil photo ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre plutôt ça comme ça. La photographie. Ok, nous n'avons rien, donc ça, c'est que ça a déjà disparu. Aura-t-il laissé des empreintes sur la fenêtre? Non. Non plus. On va laisser l'appareil photo ici. Et on va revenir. On va revenir. On va prendre la spirit box. Donc, on va recoucher les orbes pour le moment. Mais je vais quand même parier sur un mimique. On va juste recocher les orbes pour être tranquille en fait, si vous voulez, pour se dire qu'il reste plus que ça. Je vais juste vérifier la spirit box. Ok, alors là, j'ai pas vu, mais alors là, donc il n'y a pas de MF5. Je vais juste aller checker ça. S'il vous plaît, merci. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir déjà la spirit box? Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui. On pourrait l'avoir, ce serait donc un non-rio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait pas déconnant avec la bougie et le sel.
Mais ça peut pas être un spike de toute façon, parce que sinon il y aurait le dot. De toute façon, même s'il n'y avait pas de DME, s'il y avait un dot, ça pourrait pas être un spectre. Sauf s'il n'y a pas d'orbe, normalement, c'est ça? Non. En fait, dans tous les cas, il y aura forcément un spectre. Ok, donc les spectres n'ont pas de température. Donc déjà, on est sûr que ce soit pas un spectre. Donc du coup, le sel n'aurait pas servi à grand-chose, du coup. Mais il nous le demande quand même, donc écoutez. Ça serait quand même quelque chose de fait pour l'argent. Et pour la part la partie. Alors, aurait-il retouché la porte d'ici là? Aurait-il retouché la porte? Il l'a encore ouverte, mais pas d'empreinte. Quel âge avez-vous? Ok, nous avons donc une spirit box, et donc pour l'instant nous avons un Onryo. Ok, très bien. Pour l'instant, donc Onryo, je pense que nous avons le bon fantôme, car nous n'avons pas de température. Alors le problème avec l'Onryo, alors déjà c'est qu'il a coupé le courant, mais l'Onryo en fait, on va devoir allumer un encens. Et en fait, ils sont normalement. Enfin, on va faire des tests avec vous. On va faire des tests. On va juste préparer. Voilà ça. En plus, oui. En plus, oui. En plus, bon, bref, vous allez voir. Ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous montrer deux trois trucs. Vu qu'on a le cerf d'invocation, on va pouvoir vous montrer d'autres trucs. Du coup, ça c'est bien fort. Le cerf d'invocation, c'est quand même un bon truc pour s'entraîner. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors du coup ici nous n'avons pas toujours pas de MF5 donc c'est parfait. Donc nous avons bien à faire un Onryo. Très bien. Alors du coup, ce qu'il veut qu'on fasse, donc le sel, la bougie et l'encens. Donc le sel ça va être assez facile. Il va juste nous falloir ceci. Et je crois que nous avons laissé notre lampe là-bas. Donc et notre appareil là-bas. Ok, enfin j'espère. Sinon je vais en prendre une lampe, écoutez. Dans le doute. Voilà, on va faire ça comme ça. Combien j'ai de température? Combien j'ai de 60%, on va juste être sûr qu'il ne nous attaque pas pendant qu'on fait nos petites quêtes. Enfin, notre petit. Ce qu'il nous demande, quoi. On va juste manger. Enfin, prendre des pilules. Tac. Donc. Tac. On va donc. Alors, est-ce qu'on a laissé notre. Alors, il a allumé la lumière, visiblement. Pas d'empreinte, du coup. Non. Donc là, on est définitivement sûr qu'il n'y a pas d'empreinte. Ok. Alors là, visiblement, il se balade quand même beaucoup. On va mettre sur un sel là. Et là. Et là. Donc là, il a marché dans le sel. Évidemment. J'ai pas drop ce qu'il fallait, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Allume-moi la lumière, merci. Je vois absolument rien. Est-ce qu'on les a eus? Évidemment, j'ai tout foiré. Très grave. C'est pas très grave. Il me reste des photos. Allez, vas-y. Marche dans le sel, là. Bon, il a marché dedans. C'est pas très grave si on les a pas en photo. Oh. C'est pas très grave. Donc, voilà, Zouka, ça c'est fait. Donc là, il faut donc là l'encens et la bougie. Alors ça. Ça va être un peu plus énervant. Alors j'oublie ma lampe. Enfin, on va faire ça avec la lampe UV, c'est pas très grave. Donc là vous verrez rien, mais je suis désolé. Mais voilà. Bon, sans la lampe UV, du coup on n'en a plus besoin. C'est pas très grave, dommage pour l'argent, mais c'est pas très grave. Tant pis. J'ai foiré, c'est pas très grave. Donc là il faut donc la bougie. Alors la bougie ça va être un peu énervant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors par contre je viens de m'en débarrasser. Ah d'accord, en fait j'en avais deux sur moi, très bien. Alors du coup j'ai pris mes deux lampes qui me restaient, c'est pas très grave contre celle-là. Donc il veut l'encens et la bougie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va d'abord faire ça.
pour qu'il nous laisse tranquille pendant 5 secondes. On va faire, c'est qu'on va l'éteindre dehors. On va l'allumer ici. Normalement, là, c'est bon. Normalement, c'est bon. L'encens a été fait. Alors, on va passer à la partie un peu plus dangereuse. On va enlever ça. Vous allez comprendre pourquoi. On va prendre un autre bâton d'encens. Tac. Et on va prendre ça. Ok, donc là, on va passer à la partie la plus dangereuse. C'est-à-dire le poser de bougie. Normalement, regardez si on dit. Si on va dans Entité et qu'on va sur Onryo. Voilà, Onryo est souvent décrit comme un esprit furieux en quête de vengeance. Il vole les âmes des corps des victimes mourant. Cette entité est connue pour avoir quelconque forme de feu et fera tout pour se tenir nier. Force, éteindre une flamme peut pousser un Onryo à attaquer. Voilà. Donc si le fantôme éteint la bougie, il va être forcé à attaquer. Donc, on va aller là-bas, là, vers la lumière. Il est juste ici. Et on va espérer. Alors, il faut que je repère ma lampe. Avant qu'il m'éteigne ma bougie, ce serait mieux. Ouais, écoutez, je ne sais pas où est ma lampe. Donc, on va espérer. On va espérer qu'il ne m'éteigne pas trop vite. A été éteint. Je crois qu'il attaque. Je crois pas l'avoir entendu. Il attaque pas. Il attaque pas. Ok, donc ça va, on s'en sort plutôt pas si mal. Après, est-ce qu'il a éteint? Je ne sais pas. La lampe, elle est là. Prendre celle-là pour le moment. Ok, alors est-ce qu'il l'a éteint? Il l'a éteint. Ok, donc là, nous avons fait tous les objectifs. Et nous avons donc réussi à échapper au terrible fantôme. Alors là, vous me direz, on peut aller un peu plus loin. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose qui va vous être utile pour plus tard. On va juste prendre ça, et ça, et ça. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous être utile, vous allez voir. Alors, c'est pas grave si je réussis pas, de toute façon, c'est pas très grave. Normalement, toutes les bougies sont allumées, enfin, toutes les lumières sont allumées. Je vais juste allumer celle-ci pour que vous y voyez quelque chose. Je vais juste. Oh non, ça va. Il n'y a pas de lumière ici, donc elle est déjà allumée. Ah non, il y a une lumière juste là. Voilà, ici. Vous allez comprendre pourquoi j'allume toutes les lumières. Non, cela on s'en fiche. Celle-là, je vais pas les allumer. Celle-là, je vais l'éteindre. Voilà. Je vais faire tout ça. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on va jouer avec le feu, littéralement. Donc là, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais allumer le cercle d'invocation juste ici. Je vais prendre le fantôme en photo. Et on va se mettre dans un coin, genre par exemple on va se mettre pas très loin, on va se mettre l'autre côté, vous allez voir. Vous allez voir ce que je vais faire, ça va être très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer les bougies. Alors d'abord, on va prendre ça en photo. Voilà, parce qu'on n'est pas des sacs. Donc là on allume le cercle d'invocation. Et on va finir par la bougie qui est ici. Allez, vous comprendre. Ah, donc là, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais allumer et on se casse.
Et voilà, donc là nous avons survécu à l'attaque du fantôme. Alors en fait, moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec l'encens, vous pouvez être immortel. Alors là, je ne l'ai pas montré parce que du coup, je vous ai montré un safe spot derrière la porte qui est très connu dans cette map. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça c'est très connu comme spot. Donc là, je vais avoir une photo, une photographie du fantôme 3 étoiles, voilà, qui va m'apporter un peu plus d'argent que ce qu'on aurait pu prendre avant comme photo. Donc là, vous pourrez me dire, bon, voilà, c'est bon, on a tout fait. Bon, on n'a pas pris en photo, mais on n'a pas pris en photo l'os. On n'a pas pris en photo les empreintes. Mais enfin bon, voilà. Tout ça, c'est des choses plutôt logiques. Mais bon, là, on les a pas faites, mais c'est pas très grave. On peut rentrer tranquillement du contrat. On a fait ce qu'il fallait, on a fait nos objectifs. On a rempli notre contrat. C'est parfait. On a quelques photos en plus. Donc là, on va devoir toucher quand même un petit bon 200 euros. 200, ah, même pas. Vous voyez, 180. C'est pas dégueulasse, on aurait pu toucher un peu plus en photographie, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Bon, ben voilà, écoutez, voilà, du coup, on a gagné un peu plus de level, 300 niveaux, 352, 170 d'expérience gagnée. Voilà, donc là, ici, on a le petit tableau récapitulatif, pardon. Donc, nous avons passé 10 minutes dans la lumière, 9 minutes dans l'obscurité, 1 minute 30 presque. On a passé 4 minutes et 8 secondes dans la salle du fantôme. On a passé 11 minutes à l'intérieur. Nous avons donc fait un total de 19 minutes et 30 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Nombre d'événements 1, nombre de chasses 1, nombre d'interactions 41 interactions. Donc il a fait 45 fois des choses. 41 fois, pardon, des choses. Ouais, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite, ça fait 20 minutes, mais bon. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, comme d'habitude. En tout cas, ça m'a encore une fois fait bien plaisir de vous lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu encore une fois. Nous, du coup, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Sachez, petite information, qu'il n'y a pas vraiment de planning. C'est, je fais mes vidéos quand je peux et quand je veux. Et je les sors aussi quand je peux. Sachant que, bon, j'ai peut-être la. Enfin, j'ai une fibre, on va dire, plutôt correcte. Enfin, j'ai un réseau, une wifi plutôt correcte. Enfin, internet plutôt correct, pardon. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ça. Allez, sur ce, à plus.